Aujourd'hui, c'est une grande et belle journée pour l'école parce que les étudiants présentent leur grand projet de fin d'études qui marque donc l'aboutissement de 5 années de formation à l'école. Ce sont les étudiants donc de la promo 2015 qui sont arrivés à Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux et Paris en première année. Ils sont venus à Paris faire leur 4e et 5e année dans 4 filières, design et communication, design interactif, motion design et game design. Les projets qui sont présentés aujourd'hui sont des projets que je dirais à la fois de graphic design et d'innovation. Le projet Cocorico, c'est un projet sur le Made in France qui répond à 3 besoins. Le premier besoin, c'est de donner de la visibilité aux marques qui produisent Made in France, permettre aux consommateurs de localiser les produits Made in France et aussi être totalement transparent quant au lieu de fabrication et étape par étape de chaque produit Made in France. PicMate, c'est une application sociale dédiée aux événements festifs, qu'ils soient publics ou privés. Donc l'idée, c'est de passer par l'application pour créer un événement en spécifiant le lieu et la durée. Toutes les personnes qui utiliseront l'appli sur place vont automatiquement uploader leurs photos et leurs vidéos dans l'événement. Du coup, à la fin, on obtient un album photo authentique de manière chronologique du premier contenu généré au dernier. Alors le Full Black Project, c'est un projet transmédia, c'est-à-dire qu'il s'inscrit en fait dans une logique où j'avais une œuvre qui était la bande dessinée à adapter. J'ai voulu l'adapter premièrement en jeu, puis je me suis dit que en fait, au lieu de m'intéresser seulement à l'histoire, je pouvais m'intéresser à l'ensemble de l'univers, créer tout un univers et faire donc des jeux de cartes, jeux vidéo, jeux smartphone, jeux tablettes autour de ça et même une animation qui est en cours. Ça me semble essentiel aujourd'hui pour la plupart des médias de se développer en transmédia et pas en cross-média. Là, on aura quelque chose qui sera vraiment adapté à chacun des supports. Niverden, c'est un jeu de rôle sur table en boîte prêt à jouer. Le jeu de rôle sur table, c'est un jeu qui est très enrichissant, mais qui aujourd'hui, dans sa forme actuelle, demande beaucoup de temps et d'investissement, et du coup qui se réserve plutôt à des passionnés. J'ai découvert le jeu de rôle très récemment, et j'ai voulu reproduire l'expérience avec mon entourage, sauf que je me suis rendu compte que la prise en main était trop difficile. Du coup, c'est comme ça que j'ai créé mon projet, qui se met en place très simplement comme un jeu de société. C'est-à-dire qu'on peut juste acheter la boîte, agencer la partie, et ensuite on peut se mettre à jouer tout de suite. Le projet Autant des rêves, c'est des contes pour enfants, des enfants un peu plus âgés que le public traditionnel, qui reprend la trame classique des contes, appliquée à des thèmes un peu plus réels, en fait, que ce soit l'Égypte antique, l'univers, les dinosaures, les contes nordiques, enfin tout un tas de sujets qui ont pour vocation de susciter un éveil intellectuel chez l'enfant. Une fois qu'on choisit son thème, on a une quinzaine de contes liés à ce thème, justement. Et une fois qu'on a acquis ces histoires, on peut les agrémenter d'objets magiques, comme je dis. Ces objets magiques, c'est des objets connectés. Mon but aussi, c'est d'avoir après, derrière, un contenu aussi qui puisse être additionnel, en fait. Donc une fois que j'ai mes histoires, je peux avoir une communauté qui écrit des histoires, qui les diffuse. C'est une manière aussi de faire vivre l'expérience au long terme, en fait. Et j'aimerais accomplir tout ça. On a eu 2 journées de présentation des grands projets de fin d'études. Une première journée ouverte à tous les publics et une deuxième journée consacrée à l'évaluation avec un grand nombre de professionnels ici présents, à la fois des directeurs d'agences de communication, des directeurs d'agences de création, des anciens qui viennent coopter les jeunes étudiants sortants et puis des directeurs marketing, des directeurs communication de grandes entreprises. Au départ, je voulais vraiment juste trouver l'idée et puis faire quelque chose de visuel. Et je pense que je m'y suis attaché en fait avec le temps et à force de le voir grandir, voilà, les premières chartes qui sortent, le logo, le design, le prototype. En fait, je me dis, ça prend vie, quoi. Donc il faut aller plus loin, ça serait dommage de s'arrêter là. Le projet Full Black a déjà un pied, j'allais dire, sur Terre, dans le sens où il est publié sur le web. À l'avenir, j'aimerais pouvoir développer tous ces projets qui sont à l'état de prototype pour pouvoir montrer à la communauté déjà existante, mais qui pourrait encore grandir, jusqu'où on peut aller rien que pour leur faire partager un monde, pour leur faire partager un état d'esprit. L'objectif d'une présentation comme celle-là, c'est de permettre aux étudiants de vraiment montrer et de déployer tous leurs talents et à écouter les nombreux professionnels qui viennent me témoigner du plaisir qu'ils ont à les rencontrer. Je crois qu'ils ont une belle voie devant eux et qu'ils peuvent être fiers du travail accompli.